ce mardi 26 janvier 2021, un nouvel épisode des Princes et des Princesses de l'amour a été diffusé dans lequel une prétendante a fait ses premiers pas dans la villa. Une jolie brune de 19 ans venue tout droit de Reims et qui répond au nom de Lucille. La jeune femme n'est pas venue pour rien puisqu'elle compte bien charmer le nouveau prétendant de l'aventure Simon Castaldi, qui n'est autre que le fils de Benjamin Castaldi. Un pari réussi dès le premier coup d'œil. Lucille a un très joli visage donc je suis content. L'aventure commence perfecto, s'est réjoui le jeune homme de 20 ans. J'adore rigoler et taquiner alors j'espère que tu es prêt, lui a même lancé Lucille, bien décidée à séduire. À lire aussi parmi les atouts qu'elle pourra mettre en avant figure sa victoire à l'élection régionale de Miss Champagne Ardent en 2019. On est venu me chercher sur les réseaux sociaux. Le comité Champagne Ardent m'a envoyé un message sur Instagram pour savoir si je mesurais bien au moins 1m70 et si je n'étais pas tatouée. Puis, on m'a proposé de participer à l'élection, avait expliqué la belle Lucille de 1,73m au micro de France 3 région après sa victoire. Une ascension express dont la jeune femme souhaitait profiter au maximum. Cela donne confiance en soi. J'aimerais aussi beaucoup faire de l'humanitaire et cette aventure peut me le permettre, car j'aurai une plus grande visibilité. Par la suite, Lucille a donc tout naturellement participé au concours Miss France qui s'était tenu à Marseille. Malheureusement, elle avait été éliminée avant le top 15 des finalistes après quoi Clémence Bottineau avait été sacrée. Aujourd'hui, Lucille a donc décidé de se lancer dans la télé-réalité. Let's Block ADS. Why?